Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir, là, il y a eu un petit changement dans le montage de la vidéo. Aujourd'hui, vous m'avez vu d'abord tricoter au début de la vidéo. Donc, vous savez que l'on va parler tricot. Et on va parler de mon nouveau tricot. Donc j'ai déjà attaqué, oui, après celui-ci, le jour même que j'ai terminé celui-ci, j'ai attaqué le soir même, tout de suite mon deuxième. Donc là, c'est une veste que je fais, je vous l'avais déjà présentée, hein, et puis je vous avais mis dans la communauté déjà pour vous faire patienter. Alors c'est toujours dans le livre. Alors, bon, vous allez toujours l'avoir à l'envers, je suis désolée. C'est toujours dans ce livre-là, le fil d'art, fil multicos et compagnie. Donc, automne-hiver 2020-2021, le numéro 705. Voilà, donc c'est celui de l'année dernière, mais qui est toujours en vente sur le site. Donc, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens que vous aurez besoin pour retrouver ce que je vous montre dans la vidéo. Alors, la veste que je vais faire, c'est la veste Olwen. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc une grande veste. Alors, il n'y a pas de fermeture par contre. Cette veste-là, il n'y a pas de bouton ni... c'est une veste que l'on garde comme ça, ouverte. Donc, je verrai quand elle sera finie comment je ferai. Bon, si je vais la laisser ouverte ou si je vais peut-être mettre une petite agrafe ou rajouter un bouton. Je verrai le moment venu, quand j'aurai terminé, comment ça donnera. Mais là, elle est prévue pour comme ça, non fermée. Là, elle est faite dans la couleur sorbet sur le catalogue. Moi, donc c'est le fil Dolce Vita. Bon, je vous montre la pelote. Donc, c'est celle-ci. Là, je vous l'avais dit, je vous l'avais présenté hein, lors de l'unboxing. Je vous remettrai en barre d'infos dans le petit i également le lien de la vidéo. Donc, c'est une vraie peluche hein, cette laine. Alors c'est une laine qui est en mohair. Alors que je vous dise bien, il y a 60% de mohair, 34% de laine et 6% de polyamide dedans. Voilà. Donc cette laine là par contre, alors niveau nettoyage, est-ce qu'on me le marque là dessus? Je crois pas, non, c'est sur le site, mais c'est une veste qu'il va falloir que je lave à la main. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, ça c'était la laine, et maintenant je vais vous montrer où j'en suis. Donc, j'en suis à ma deuxième après-midi de tricot. Enfin, deuxième après-midi, aujourd'hui, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait hier et aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, je suis à une 5. Alors, je regarde sur mon compteur. 58. Alors, hop. 57 plus 10. 67. Je suis à 67 environ, si je n'ai pas oublié de ligne. 67 rangs. Voilà,
Donc là, il me reste à peu près 4 cm à faire et j'arrive au bas des emmanchures. Alors, c'est une veste qui est super facile à faire hein, si vous n'êtes pas habitué au tricot. Parce que bon, c'est vraiment un grand rectangle. Il y a les épaules, voilà, un petit peu les épaules et les emmanchures. Voilà, c'est tout ce que vous allez avoir en diminution. Pour le devant, c'est pareil, il n'y aura que les emmanchures et c'est les emmanchures droites. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué dans celle-là. Donc bien sûr, c'est fait en jersey. Je vous montre. Et c'est tout doux. Alors là, par rapport au pull que j'ai fait, ici ça va être d'une légèreté, mais alors ça va être une plume. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les couleurs automnales. J'ai pas pris plus clair parce que, bon, en veste, j'aime pas mettre du trop clair parce que c'est salissant. À la base, je voulais une pelote qui était rouge. Je crois que c'était grenadine ou framboise, le nom, je ne sais plus. Mais quand j'avais commandé ma laine, elle était en rupture de stock. Bon, donc, mais là, c'est Arlequin. C'est ça, attendez. Non, c'est pas. Si, c'est Arlequin. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Oui, c'est Arlequin, la couleur. Mais j'en suis très contente. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, là, j'utilise donc des aiguilles. Alors, pour faire les côtes, bon, les autres, je les ai rangées. Pour faire les côtes, j'ai utilisé des aiguilles de 6,5. Hein, donc, pour faire ici, ce sont des côtes 2,2. Voilà, on fait 4,5 cm en côte 2,2. Donc, avec des aiguilles 6,5 et le reste se tricote avec des aiguilles numéro 7. Donc en plus c'est des belles aiguilles et donc qui montent assez vite au niveau de l'ouvrage. Voilà. Et une petite aparté pour mes aiguilles ici. Ce sont des très vieilles aiguilles que j'avais eues à une de mes patientes quand j'étais encore auxiliaire de vie, là, il y a 3 ans, ouais, un peu plus de 3 ans. Elle m'avait donné toute sa boîte en bois avec il y avait plein d'aiguilles dedans. Je vous montrerai un de ces jours la boîte en même temps, elle est très jolie. Et dedans, donc avec toutes les aiguilles, j'avais celle-ci. Et ce sont des aiguilles. Alors, je sais pas, je pense pas que vous allez vous voir. Ouais, ce sera l'envers, de toute façon. Ce sont des aiguilles pingouins. Pingouins! C'est une marque qui date de. Il y a 40 ans, je connaissais déjà ça, un pingouin. Et ce que j'aime bien sur ces aiguilles, c'est dommage, je ne les ai que sur celles-là, sur les numéros 7. Voilà, je vous montre. Hop. Le bout est en silicone dur. Dur. Voilà. Donc, ça glisse super bien. Il n'y a pas d'accroche ni rien avec les mailles. C'est dommage, c'est la seule paire que j'ai comme ça. J'aimerais bien retrouver, mais bon, c'est vrai que les aiguilles pingouins, je ne sais pas si je pourrais en retrouver. Mais en plus, des comme ça, avec l'embout ici, comme ça, en silicone. Je ne sais pas si c'est du silicone. Je pense que si, mais c'est vraiment durci, très dur. Et là, ça glisse, mais alors super bien. Elles vont très bien, ces aiguilles. Je verrai bien si j'en retrouve un jour. Bon, je pense que c'est dans les trucs d'occasion, les choses comme ça. Mais on verra bien. Je crois que je vous avais montré la dernière fois. J'ai toujours mon petit compteur hein, pour. Compter mes rangs. Puis voilà. Donc là, je pense que d'ici 2 jours, le dos sera terminé.
Là, après, il me restera les devants, les deux devants, et il y a un col châle tout en côte à faire. Rien de compliqué, vraiment rien de compliqué. Vous voyez, je vous le remontre. Vous voyez, le col châle ici, et puis les manches, bien sûr. Il faut faire les manches. Si j'oublie les manches. Donc là, pour ma taille, on m'a demandé d'acheter 9 pelotes. Donc, c'est des pelotes de 100 grammes, je crois. Alors, attendez, non, 50 grammes. C'est 50 grammes qui font plus ou moins 90 mètres. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, j'espère qu'il y aura assez, hein. J'ai toujours peur, moi, quand ils donnent le nombre de pelotes à prendre, et puis que j'ai toujours peur de ne pas avoir assez, malgré que pour le pull, j'ai eu assez. Je vous ai pas montré ce qui me restait. Voilà. Oh, papa, viens là, toi. Voilà ce qui me restait pour le pull. Vous voyez. Donc, j'ai eu assez. Donc, Céline, si tu passes par là, parce qu'elle fait le même pull que moi, mais pas dans la même couleur, je sais qu'elle s'inquiète de savoir, mais elle ne le fait pas non plus dans la même taille, elle s'inquiète de savoir si elle aura assez de laine. Tu vois, il en reste à la fin du pull. J'ai trouvé, pour faire les modèles pour Chouchou, je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo dans la semaine. En fin de compte, je vais les faire avec une autre laine. et donc, je serai toujours à la recherche de voir ce que je vais faire avec cette laine-là. On verra. Donc voilà, mais aujourd'hui, je voulais vous montrer donc où j'en étais sur la veste, qui va se monter très vite, je pense. Du mohair, je crois que c'est la première fois que je fais du mohair. C'est doux, c'est tout doux. Donc voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Ce n'était pas une très grande vidéo, hein, mais bon, c'est pour vous montrer où j'en suis. Je vous ferai d'autres vidéos encore, comme j'avais fait pour le pull. Et je vous ferai peut-être une vidéo pour l'assemblage, parce que là, le mohair, ça va être un peu plus... Ce sera peut-être pas la même technique, je vais voir. Puisque là, c'est quand même plus fin. Je sais pas. Je verrai la technique que j'utiliserai pour le montage. On en reparlera le moment venu. Là, c'est pas encore d'actualité tout de suite. Et je vais faire, je n'oublie pas que je vous fais cette semaine le tuto pour le point invisible, donc le point matelas. Voilà. Alors, petit aparté, on m'a demandé pourquoi j'avais un petit bobo là, mais ce n'est pas mes lunettes qui me font mal, c'est toujours mon masque pour l'apnée du sommeil. Qui me blesse toujours mon nez, c'est du silicone, hein, mais ça me blesse le nez. Le silicone me frotte sur le nez. Moi, j'ai le nez cassé, hein, là en haut. Enfin, là, ça fait très, 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 très longtemps. Ça fait plus de 30 ans que j'ai le nez cassé. Hein. C'est pas moi qui me le suis cassé. C'est une personne avec qui. J'étais mariée. donc, j'ai l'arête du nez ici, au-dessus, qui est cassée. Et le masque arrive juste sur le dessus. Et avec le silicone, je ne sais pas. Donc, là, il faut le temps peut-être que je m'habitue. Et donc, pas que, que mes lunettes frottent en plus. La journée, la nuit et la journée, je me mets un petit pansement en ce moment. Bon, c'est pas top, hein. C'est pas tellement glamour, mais hein, mon fifi, mon petit bébé, fifi, tu voulais dire bonjour?
Tu voulais dire bonjour? C'est Fifi. La Fifi. Bisous, maman. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.